Donc, comme on l'a vu, on reçoit les brutes directement. Voilà, donc des brutes, on passe dans la partie tournage. Donc, sur la partie tournage, on va obtenir toute la forme de révolution de la pièce. Donc, avec des précisions, on voit le mortaisage pour la navigation des barillets à l'intérieur. Donc, voilà, avec des précisions de 10 à 15 microns de rectitude, 15 microns de parallélisme, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu notre cœur de métier. Donc des pièces très fines, déformables et avec une grande précision. Donc voilà, ensuite on a sur notre partie fraisage, on va venir faire toutes les ouvertures, toutes les pièces. Voilà, donc sur la partie tournage, on peut faire aussi des pièces complètes, ce qui permet d'obtenir toutes les références précises ensemble, qui permettent d'avoir vraiment une très grosse précision finale. Voilà, donc là, ben pareil, c'est un peu les porte-barillets qui vont tenir les lentilles et le fonctionnement, donc le fonctionnement focal, le fonctionnement mis au point, donc avec des cames faites entièrement en tournage aussi, donc avec des pas variables, des choses comme ça. Donc toujours pareil, les précisions avec des rectitudes à 10 microns. Donc voilà, et enfin la cam focale, voilà, celle qui fait la focale. Donc pareil, avec des parallélismes à 10 microns, des deltas de largeur de rampe très importants pour justement l'entrevers entre les lentilles. Donc des deltas de largeur vraiment entre 10 et 15 microns aussi. Donc voilà, ça reste quand même de la mécanique de très haute précision. Donc ensuite, il y a donc la partie finition qu'on a vu, donc avec les bavurages, tout ça. Et enfin, il y a une partie sablage qui, en fait, on vient sabler l'intérieur. Là, on a fait un stri, on vient sabler l'intérieur. Et cette partie vient casser les faisceaux de lumière parasites, en fait. Voilà. Donc, voilà en gros le cheminement chez nous pour les pièces de zoom.